Bonjour, j'espère aujourd'hui une vidéo très courte pour vous montrer que sur Jupiter, on avance un petit peu. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui avancent. Peut-être que ce n'est pas encore définitif, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais qu'on arrive presque à lancer Jupiter dans Caséine sans qu'il y ait trop de manip. Il y a encore des problèmes de ressources, donc ça, c'est peut-être juste avoir des réglages qui permettent. Mais vous voyez, je viens de lancer donc une fenêtre graphique avec dedans Jupiter qui va peut-être apparaître selon qu'il y a plus ou moins de ressources disponibles au moment où je le lance. Mais voilà, enfin, là pour le coup. Alors, il y a le noyau qui n'est pas encore démarré complètement, donc des fois il faut attendre un petit peu, des fois il faut le relancer à la main. Mais s'il n'y a que ça, donc, et c'est un problème de ressources, hein, si on regarde derrière les messages, c'est pas clair en fait quel est le message, mais en fait, je crois que c'est des ressources qui manquent. Donc je vais le relancer à la main. En général, ça marche mieux quand je relance à la main. Alors, kernel ready. Là, il dit rien de plus. On va regarder. Donc, afficher de 1 jusqu'à 7. Alors, jusqu'à 6, voilà. Donc, Python a marché. Est-ce qu'avec Python, on peut demander d'écrire du code dans un fichier, donc ça c'est avec les write file en Python toujours, hein. Donc là il a écrit, je vais même écrire plutôt bonjour caséine. Ah, le kernel, il est en train de patcher des choses là-haut, j'espère qu'il marche encore. Voilà, donc il y a le petit symbole, enfin le numéro ici d'action qui, si j'exécute, voilà, passe à 4. Et donc, est-ce que je peux compiler mon fichier? Donc là, il y avait le message du précédent d'exécution qui était simplement bonjour. Je vais essayer de le compiler et de l'exécuter. Et bien maintenant, on est passé de la quatrième action à la cinquième action, presque sans problème. Il y a juste eu à redémarrer le moteur. Et du coup, on a eu Jupiter qui marchait dans Caséine. Et je ne veux pas montrer, mais je crois que le fichier, si je ferme et que je reviens. Le fichier a dû être sauvegardé. Ou alors je ne me rappelle plus si je l'ai mis en place, ça. Mais c'est quelque chose que je sais faire. Donc, à quelques petits détails près. Donc, est-ce que le caséine a été sauvegardé? Ah non, mais parce que, ah oui, j'avais pas mis. J'avais pas sauvegardé. Il faut quand même que je sauvegarde. Tout court, ça. Exclamation, il faut quand même que je sauvegarde pour qu'il tente quand même de sauvegarder et que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème de ressources. Donc là, on va réessayer. Donc là, voilà, là, il y a eu recharge. Et donc, si je relance, alors que j'attends un tout petit peu quand même que ça se relance et tout, et que je croise les doigts. Alors, là, je le fais, j'ai peut-être un peu plus de chance que d'habitude parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, ils sont tous en examen. Ou une partie est en examen. Donc mon fichier Caséine. Ah bah mince. Où est-ce que j'ai écrit Caséine? J'ai écrit dans Prolog. Je voulais écrire dans le C. Alors est-ce que je me suis trompé d'endroit? Voilà, non, ça marche jamais du premier coup. Donc on va réessayer. Mais je pense que ça a marché. C'était juste que je ne l'avais pas écrit pendant. Donc c'est dans le C que je voudrais que ça soit écrit. Ici, il a sauvegardé. Je referme. Bon, ouais. Même c'est pas une démo complètement convaincante, mais au niveau ressources, ouais, ça marche beaucoup mieux que quand il y a plein d'étudiants qui font leur TP. Ou il faut que je lance des fois la main, il faut que je relance le kernel. Donc là, peut-être qu'il faudrait que je relance le kernel, parce que je sais pas s'il est en train de se lancer correctement. Mais là, voilà, dans la partie C, il y a Bonjour Caséine qui a été modifié. Voilà, fin de cette petite, toute petite, j'espère, démonstration que ça avance. Il y a encore des petits problèmes de ressources, mais peut-être qu'un jour on pourra utiliser Jupiter dans Caséine.